Bonjour JF et bonjour les ébénistes. Alors, de par les deux, trois vidéos passées, je vous ai partagé mes dessins. Et aujourd'hui, mon ambition, c'est de vous montrer sommairement comment on peut transformer un bloc carré comme ça en quelque chose qui ressemble à ça. Alors, on va essayer de vous montrer ça le plus simplement possible. Alors, une première chose, c'est de prendre mon patron, de l'installer sur ma pièce et de dessiner, en fait, d'aller marquer ce qui ne sera pas arrondi pour que je puisse respecter les patrons, le patron en fait. Alors, les lignes que je viens de dessiner, c'est les endroits que je ne couperai pas. La pratique du tournage, c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut apprivoiser chacune des étapes. Les protections absolument nécessaires. Un casque full face en anglais pour une protection. Normalement, je porterais aussi un masque à poussière, mais comme j'ai l'intention de parler à la caméra, j'en porterai pas. Alors, on doit porter ça parce que lorsque le bois tourne contre nous, là ici, j'ai pas de nœud, mais si j'avais un nœud, il pourrait me revoler dans le visage. Et des fois, même, on peut parler d'explosion. La pièce de bois peut exploser s'il y avait des défauts. Ma première opération, arrondir ce qui est entre mes lignes. Je vais voir si ma pièce est ronde. Donc presque, il m'en manque encore un peu. J'en ai assez pour faire tracer mes lignes maintenant. Alors, mes zones de transition. Je replace mon patron et encore une fois, je dessine c'est ça qui va me permettre de respecter mon patron. Alors, je ralentis la vitesse. Je fais ça parce que j'ai des zones carrées. Alors,
ça. Maintenant, avec un outil comme ça, c'est une pince, ça détermine l'épaisseur. Alors ici, peut-être pas tellement visible, j'ai ma règle graduée. Et sur mon patron, par exemple, j'ai un pouce écart. Alors je vais placer un pouce écart. Et donc l'ouverture entre les deux pointes est d'un pouce écart. Alors je mets mon patron plus ou moins vis-à-vis. Et cette ligne-là ici, c'est un pouce écart de profond. Alors, j'utilise un outil différent. Bon, évidemment, je fais ça un peu rapidement, là. Mais grosso modo, là, c'est un peu les techniques. Avec ma courbe ici, là, que je la retravaille, OK? Là, je suis un petit peu embêté, j'ai un petit bruit dans la tête de mon tour, fait que je vais aller vérifier ça. Mais grosso modo, on dessine nos transitions, et avec différents types de couteaux, on va faire nos formes. Alors, je viens de mentionner que mon tour à bois faisait un drôle de bruit. Leçon numéro 1 pour les ébénistes, quand le son n'est pas normal, arrêtez tout cela. J'ai ouvert et regardez, c'est l'état de ma courroie. Et j'avais aucune idée, c'est la première fois que je rouvre mon tour, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Oups, désolé. Alors l'intérieur est tout plein de... Et ça sent le caoutchouc brûlé? Alors... un conseil, lorsque votre outil ne fait pas un bruit naturel, arrêtez ça là de suite. Je suis vraiment content d'avoir arrêté. N'importe quoi aurait pu arriver. OK, on se tient au courant.